S'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses aux histoires de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Tout va très bien avec Adar. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable? Il a un beau cul, hein, celui-là. Vas-y, toi, si tu veux. Pourquoi vous vendez pas? De toute façon, ça sera pas nécessaire. Ton père a l'intention de tout refaire. Arrête, maman. Papa, il dit ça depuis 30 ans. Tu penses que les parents imaginent que j'ai quelqu'un d'autre? Je suis sûr que papa s'endort tous les soirs en t'imaginant avec une fille différente. C'est pas possible. Tu veux pas me le ramener au 30 malade? Gérard, faut tourner la page avec Hélène. T'as un avenir devant toi. Oui, maman. Pourquoi est-ce que tu as invité Gérard à dîner? T'as pas l'intention de lui fourguer ta copine impossible, quand même? Juan, dépêche-toi, on va être en retard pour la visite de la maison. J'arrive. Vous allez acheter une maison avec Adar. Ah, ta mère et moi, on a été ravis d'apprendre, hein, pour la maison. Adar, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Alors essaye de pas faire tout capoter.